Parce que même ce week-end, je voulais d'abord lancer un big up, hein. Un big up à Éveil, le groupe et l'association Éveil, là. J'étais à Poitiers. J'ai passé un moment convivial en famille. Parce que comme vous le savez, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi cette petite récupération. Quand tu te mets avec les tiens, tu passes un très bon moment pour essayer un peu de te détendre. C'est important dans la vie. C'est important. Et ce week-end à Poitiers m'a permis de me détendre dans la mesure où parfois on est là, on fait les choses et on se sent acculé. Et quand tu es acculé, c'est un besoin. On partage le live, la famille, c'est un besoin naturel. Donc, je ne vous ai pas oublié, la famille, mais il fallait d'abord ce petit moment parce que c'est la rentrée et c'est la rentrée de tout. C'est la rentrée de tout. Donc, on s'est reposé pour revenir dans le bail. Donc, bonjour la famille, j'espère que vous vous portez bien. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez vu le thème genre du live là. La Balocong Gang va maintenant prendre une autre dimension. Ouais, parce que nous on aime se challenger. Là, on a déjà la dimension suprême, mais là il faut la dimension super saiyan divin. Parce qu'on a déjà fait beaucoup de métamorphoses, il faut maintenant la métamorphose suprême. Donc c'est ça, et c'est grâce à vous, on va se transformer ensemble. Bon, il faut me taguer aussi mon grand frère, il y a Josué, il y a Brice. Je vais revenir sur ton bilan. Mais d'entrée de jeu, on ne doit pas oublier aussi le dossier ou les dossiers sur lesquels nous sommes. Concernant Michaela, déjà félicitations à la famille et aux Gabonais qui ont initié la marche. Donc cette marche-là va être effectuée. Je crois qu'il est quelle heure les Noblesse. Peut-être actuellement ça a commencé. Merci aux Gabonais de s'y rendre parce que Michaela, c'est toi. Michaela, c'est moi. Michaela, c'est ma fille. Michaela, c'est ta fille. Michaela, c'est ma nièce. Michaela, c'est ta nièce. Donc, concernant l'affaire Michaela, on a un peu essayé de voir un retour de la famille Siadou. Stéphane Siadou est un peu sorti de sa cachette. Ils essaient un peu de sortir l'argumentaire pour vouloir justifier l'évasion de leur fils et tout ce qui va avec. Les gars, vous dites qu'il est innocent, non? Nous, on n'a pas besoin de ça. Qu'il rentre au Gabon! Je ne comprends pas où, non. On accorde même le bénéfice du doute à votre enfant. Erwan est innocent. Erwan n'a rien fait. C'est que vous les Siadou, vous l'entendez, non? Qu'il rentre au Gabon, qu'il rentre. Il y a déjà un mandat d'arrêt émis. Qu'il rentre au Gabon. Il va aller s'asseoir là-bas. Tranquillement. Qu'il rentre au Gabon. La justice l'attend là-bas. C'est là-bas sur place, sur le terrain, qui pourra maintenant venir justifier s'il y a eu violence ou quoi, qu'il rentre. Notre but, c'est qu'il rentre là-bas. C'est tout ce qu'on demande. Donc ne venez pas embrouiller les gens. Oh non, 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 non. Le procès se passe au Gabon. Qu'il rentre. C'est tout ce qu'on a besoin là-bas, là. Aujourd'hui, donc à partir, parce que j'ai terminé tous les courriers. Aujourd'hui, donc je viens d'annoncer à la Balocong Gang. Là, j'ai écrit à 10 tribunaux. Je vais faire un courrier recommandé. Donc, je vous ferai même une vidéo où j'ai posté. Donc, on l'a saisi. J'ai mis même à l'intérieur la lettre du ministre de la Justice, dans la clé USB, le communiqué. J'ai mis dans la clé USB tout ce que les Erwan Siadou racontait là-bas et la manière dont il gesticule après avoir tué quelqu'un. Donc, les procureurs seront saisis là. Mes spaces m'ont dit à l'intérieur, mes spaces internes des forces de l'ordre, qu'on va émettre un mandat d'arrêt. Donc, Siadou Stéphane, au lieu de venir, j'ai vu un truc, ouais, tu es monté en France parce que psychologiquement tu es malade. J'ai vu des posts, parce que moi, mon problème, c'est la justice gabonaise qui est là maintenant. Je me sens, donc toi, Erwan, Stéphane Siadou, père d'Erwan, tu connais comment psychologiquement est la mère de Michaela? Tu connais ce qu'elle subit psychologiquement là où elle est là-bas? Toi, je dois monter en France parce que je dois venir suivre un psychologue. Toi, tu dois aller à Mélène. Tu dois aller à Mélène. Donc, toi, tu es fragile. Hein. Me bille, mon oignon, me bille. Oh, ouais, c'est un machin. Tu te prends pour qui? Enfin, vous avez quand même, vous pétez plus haut que vos culs, hein, la famille, là. Tu es malade. Hein. Donc, hey, viens prendre ton enfant. Il n'a rien fait, non? Qu'il rentre au Gabon. S'il ne rentre pas, on va faire tout. On ne lâche pas. Ne croyez pas parce qu'on fait une petite pause. Moi, je me dis. On a déjà un avocat. Ici, on a déjà saisi. Donc, on ne va pas venir rester là pour dire qu'on va venir. Hey, les Siadou, ce n'est pas les stars, ce n'est pas les Kardashians. Ce n'est pas les Kardashians.
Ce n'est pas les Kardashians. Donc, on a déjà tout fait. La justice gabonaise a balancé un communiqué. Là, on a déjà saisi, parce que ce soir, j'en vois, ça avait accusé de réception. Donc, faut pas qu'on va venir parler de tous les jours, on vous a donné assez de... La seule chose doit d'abord rentrer. Tu vois, toi, tu es rigolo d'abord. C'est le cul de ton père et le cul de ta mère. Je te bloque d'abord. Bannir du stream. Voilà, maintenant, viens commenter. C'est le cul de ton père et le cul de ta mère qui sont rigolos. Bien, ils fusionnent leurs deux culs. Ça fait un cul commun. Voilà. Maintenant, viens commenter. Et l'âne aussi, et l'âne. Donc, on n'est pas là pour beaucoup gesticuler. Il va rentrer. Peu importe, il va rentrer. Donc, qu'on se calme. Lui, je l'ai bloqué. Il va aller faire le bon. Il va aller purger son père et sa mère. C'est pas ici qu'il va venir raconter les conneries. Donc, ça, déjà, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc, on reste concentré. C'est à terminer. Pour Bride, c'est aussi là, je suis en train de parler avec la mère. Parce que moi, je n'aime pas venir sur les réseaux sans le factuel. Donc, on est en train de voir une stratégie avec le factuel pour venir ici. Concernant la blanche de Mouabi, calmez-vous. J'ai déjà envoyé mes espions sur le terrain. Parce qu'on va faire pour la blanche de Mouabi, ce sera la Pierre Belmar, en fait. On va filmer le lieu du crime. Là, on va filmer tout. Mes experts sont allés sur place. Je suis pas là pour blaguer avec les gens. Le lieu du crime, on va interpréter. La vidéo, parce qu'on fait le live là, bien avec, on met la vidéo. On va montrer que nous sommes des Colombos ou de la Colombia. On va montrer le taf. Et il y a des témoignages des membres de la famille, des amis, des nananis, des nananas. C'est même le truc de la blanche de Mouabi, le meurtre, parce que c'est le meurtre de la blanche de Mouabi, même un inspecteur niveau CP1 peut résoudre ça, parce que c'est trop facile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? C'est là où nous, là-bas, le Congain, on va venir montrer où ça bloque, où ça coince, et démontrer ça, preuve à l'appui, on décharge ça devant les Gabonais, vu que vous n'aimez pas la tranquillité. Vous aimez qu'on vous mette au travail. Parce que là, c'est pas un accident, c'est un meurtre. Et on va encore venir vous prouver ça. Là-bas, le Congain, Pierre Belmar. Ouais, on bombe. Nous sommes les meilleurs du Gabon. On bombe. Et là, maintenant, pas maintenant. Niveau bas de con, Super Saiyan divin. Parce qu'on a tout fait. Tout fait, Super Saiyan 1, 2, machin. Non! On n'est plus en vous, là. C'est nous qui digons. Et on va encore vous faire savoir ça. Donc, ne vous inquiétez pas. On est là. On est en train de tout faire en même temps. Et peuple gabonais, on ne peut pas poursuivre plusieurs lièvres à la fois. Parce que grâce aux histoires de Bridge et de la petite Michaela, il y a d'autres témoignages des femmes qui sont faites abuser. J'ai même le témoignage d'une petite de 4 ans. Quand elle avait 4 ans, elle s'est fait abuser par un sujet de nationalité marocaine au bled là-bas. Elle a fait un témoignage, elle m'a envoyé des photos de la personne, mais c'est étape par étape, de 4 ans à 8 ans, le papa là dans sa boutique, il faisait les webizards. Il y a d'autres qui ont même encore parlé, les membres de la GR, témoignage à l'appui. Heureusement que la petite, encore elle est même très dangereuse, petite de 16 ans, qui a été abusée par deux éléments de la GR. Ils l'ont organisé. Et maintenant, heureusement que la petite est ici en France, et elle a tout fait, photos, tout, banzaï, explication. Donc on viendra aussi dessus. Il y a plusieurs cas, mais gardez toujours le cap, on ne peut pas être dispersé. Donc ne croyez pas que parce qu'on ne parle pas, qu'on ne va pas parler. On ne peut pas être dispersé, parce que si on met l'énergie là, on quitte, on va mettre l'énergie de l'autre côté, il n'y aura plus la même puissance, parce qu'on va diversifier la force.